La condition sine qua non de cette éducation authentique, elle est dans le fait qu'on doit être très clair avec soi-même et qu'on ne peut pas se planquer derrière la relation d'éducateur, éduqué, je sais, je domine, ainsi de suite, qui est en fait confortable. Il n'existe pas de relation éducative s'il n'y a pas un éducateur et un éduqué. Quand je dis éducation, ça veut dire que je suis du point de vue de l'éducateur et pas de l'éduqué. Et dans cette relation donc entre deux personnes, il y en a un qui est teur et il y en a un qui est. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre les deux. L'éducateur et l'éduqué, c'est administrateur, administré, colonisateur, colonisé, dompteur, dompté. Ça veut dire quand même qu'il y a un certain type de relation qui existe entre un éducateur et un éduqué, qui est une relation de dominance, tout simplement. Enfin, c'est la même que le dominant-dominé. J'aurais pu mettre dominateur-dominé ici. On est dans la même situation. La formule qui le résume le mieux de mon point de vue, c'est pour ton bien. C'est-à-dire que tout ce que va faire l'éducateur, le parent, le formateur, etc., c'est bien évidemment pour le bien de l'autre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et dans son esprit, il n'y a pas de doute là-dessus aussi. Alors, maintenant, la question qui se pose, d'où vient cette idée ? Que j'ai trouvé moi aussi en naissant, qu'il y a besoin d'un éducateur pour éduquer quelqu'un, si je veux bien voir et accepter et comprendre qu'apprendre est quelque chose de naturel. Et la meilleure des preuves que c'est quelque chose de naturel, c'est que l'enfant va apprendre cette relation si je la lui propose. C'était Frank Smith qui disait que la bombe à retardement, c'est que les élèves apprennent ce qu'on leur enseigne, quoi. Soit l'enfant est incapable, il ne sait rien, il ne peut pas, et donc il va falloir que je le rende capable, que je le rende compétent. Soit du côté de ce qui alimente les pédagogies nouvelles, c'est l'inverse. L'enfant, il a toutes les qualités en naissant et c'est la société qui va le corrompre. Donc, je vais choisir une pédagogie qui le protège et qui le ménage. C'est un peu ça les deux idées générales. Mais le point commun à ces deux idées, c'est quand même que l'enfant ne serait pas capable d'apprendre tout seul. Et que l'adulte sait mieux que lui comment se déplacer, comment se mouvoir dans la vie. Le concept même d'éducation, il n'a pas 200 ans, quoi. Le concept d'enfance aussi, il en a 300, il a à peu près 300 ans. Même l'idée d'enfance n'a pas toujours existé. Et c'est... En fait, les deux vont un petit peu de pair parce que si je n'ai pas le concept d'enfance, je n'ai pas d'éducation. L'enfant, c'est celui qui n'a pas la parole, étymologiquement. Et donc, je vais parler pour lui. Et je vais décider pour lui ce qui va être son bien. Et à partir de là, tous les excès sont possibles, bien évidemment, parce que comment je vais définir ce qui est son bien ? Et en tout état de cause, c'est toujours moi qui vais le définir, c'est pas lui. Si je regarde le bébé qui vient de naître, encore une fois, selon l'endroit où il naît, il va apprendre à survivre là où il naît. Il a une immensité de potentialité que l'adulte n'a plus. Est-ce que c'est l'adulte qui est modèle de l'enfant ou est-ce que c'est l'enfant qui serait modèle de l'adulte ? L'enfant est capable aussi de beaucoup de créativité, il est très malléable, ou très plastique en tout cas.
Cette souplesse, l'adulte l'a perdue. Cette créativité aussi. Voilà. Est-ce que finalement, le modèle que j'ai, qui est que l'adulte est le modèle de l'enfant, ça serait plutôt pas l'inverse? Est-ce que ça serait pas l'enfant, l'avenir de l'adulte? En même temps, ce n'est pas sans l'adulte qui est là pour lui montrer. Donc, quelle place il a en fait, l'adulte? Le petit d'homme ne peut pas survivre tout seul. Il n'y en a pas beaucoup de mammifères qui peuvent survivre tout seuls dès qu'ils arrivent au monde. Et donc, il a besoin d'un certain nombre de soins avant de pouvoir se terminer, se finir physiologiquement, on va dire. Et donc, pendant cette période de finition physiologique, puisqu'il n'est il est pas terminé lorsqu'il vient au monde, il a besoin de protection, il a besoin, voilà. Les soins dont il a besoin, c'est lui, en fait, qui sait et qui va dire ce dont il a besoin. S'il a faim, il va se mettre à pleurer, il va demander. Si je veux qu'il survive, il faut que je l'aide à devenir relativement autonome. Mais le fait que le développement bio-physiologique dépende de moi ne justifie pas, de mon point de vue, en tout cas, que je doive de la même manière contrôler son développement psychosocial, on va dire, voilà, décider pour lui. Puisqu'il va faire l'apprentissage de ce qui est juste pour lui, plus je vais le laisser autonome et plus, voilà, et plus il va apprendre à vivre de manière autonome. Mais cela, je ne peux le lui enseigner, le lui présenter comme modèle que si moi-même je le suis. Je trouve en naissant ce système éducateur-éduqué, je n'ai là-dedans, je vois ça, ben, je n'ai pas d'autre modèle, c'est comme ça, c'est une évidence. Comment je peux l'interroger, puisque partout où je me retourne, c'est comme ça. Je ne m'interroge même plus là-dessus. Et le fait que je pense que l'enfant est incapable de, ou ne peut pas parce qu'il est trop jeune, ceci, ou que, ben justement, je le fais être ce que je le suppose ne pas être, enfin. Et de la même manière, si je suppose qu'il en est capable, ben il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas capable. C'est en fait, je le fasse, c'est l'effet Pygmalion à nouveau, Sauf que dans le cas de parents ou d'enseignants, je ne suis pas conscient que je reproduis en fait ce que j'ai moi-même vécu, soit comme élève, soit comme enfant. Alors soit je le reproduis de la même manière, soit je prends le contre-pied, ce qui est une autre façon de dépendre encore du modèle initial, parental ou scolaire. Tant que je pense qu'il me faut un éducateur pour que moi j'apprenne, ou il faut que j'éduque pour qu'il apprenne, j'induis forcément un modèle, justement, qui est un modèle hiérarchique d'éducateur éduqué, etc., qui génère le manque, la peur, la dépendance, etc., voilà, et qui va être pain béni pour une forme de société qui est la nôtre, et qui est tout simplement une société d'exploitation, où il y a des exploiteurs d'un côté et des exploités de l'autre. Paradoxalement, on sait très peu de choses sur les sociétés qui fonctionnent, comme on le dit, de manière horizontale. Parce que nous, on a des sociétés de type vertical. Mais ben, c'est pas étonnant non plus qu'on n'ait pas beaucoup d'informations là-dessus, parce que ce serait quand même dangereux. Par exemple, on pourrait pas dire éduquer à l'autonomie. Par le fait même que je donne une explication à quelqu'un, je sous-entends qu'il n'est pas capable de comprendre tout seul et qu'il lui faut quelqu'un qui lui donne un modèle. Je peux intervenir simplement auprès de mon enfant ou auprès de mon élève pour lui dire où est-ce que tu en es maintenant, quoi. Est-ce que ça correspond à ce que toi tu voulais ?
S'il y a un éducateur, c'est qu'il y a un éduqué en face. Voilà. Moi, de plus en plus, je me dis, ben, je suis adulte et je vis avec des enfants. Comment je vis avec eux? Je me situais plus avec et non pas dessus. Orienter, les aider, même déjà à 3-4 ans, trouver des solutions dans leurs petits conflits de tous les jours qui ne sont pas obligatoirement les miennes, quoi. Et voilà, et quand je vois qu'il y a des enfants qui réussissent à s'organiser entre eux, sans moi, je trouve ça génial.